Yo tout le monde, Skaito, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour une présentation d'un manga qui se nomme Black Torch. Je vous le montre tout de suite, Black Torch, donc voilà la petite couverture. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu l'œuvre l'auteur, tout le tralala. Ensuite je vais vous lire le synopsis et après je vais vous dire mon avis. Donc on commence tout d'abord par le titre de l'œuvre, donc Black Torch, qui est sorti en février 2018 et qui a pour genre l'action, le drame, le surnaturel, les arts martiaux, les démons, les fantômes, les ninjas et la police. C'est un manga de type shonen. L'auteur est Takaki Tsuyoshi, l'éditeur original est Shueisha et l'éditeur français est Kiyun. Il est pré-publié dans le Jump SK et il existe en tout au Japon 4 volumes et en France 2 volumes. Il a pour prix 6,90€ et il est conseillé aux personnes qui ont 14 ans et plus. Donc pour moi, clairement, je pense que des gens de 12 ans peuvent le lire, mais c'est conseillé pour les plus de 14 ans. Du coup, on va passer à la lecture du synopsis. C'est parti. Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille et pourtant c'est un véritable aimant à problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il en a plus la capacité de communiquer avec les animaux. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir mal en point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait de félin, il a recueilli Rago, un monoké surpuissant. Ces créatures surnaturelles capables de dévorer les humains vivent d'ordinaire cachés, mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pères. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace et un combat épique s'engage. Jiro, imbattable contre des simples humains, ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Rago n'a d'autre option que de recourir à une technique de possession. Donc maintenant, pour mon avis, franchement, c'est un manga que j'ai kiffé. En tout cas, j'ai lu que le premier tome, mais le deuxième tome, j'ai pas encore lu. J'ai d'ailleurs toujours pas acheté, mais c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment kiffé ce manga, que ce soit pour le combat qu'on voit quand même, c'est énorme. Hein, le combat là, vers le début, enfin après, je vais pas vous spoiler. Donc c'est vraiment énorme, même des... comme vous l'aurez compris dans le synopsis, c'est des ninjas d'une époque moderne, donc c'est quand même pas mal ça. Enfin, ça me fait rappeler Naruto Ninja, mais c'est pas du tout pareil. Enfin, pas du tout pareil, quoi. Et franchement, en plus de ça, les dessins, ils sont juste géniaux. Donc, je vais vous les montrer. Donc, par exemple, on va montrer ça. Par exemple, ça, voilà. On a aussi, le chat. Mais il est juste trop, trop beau. Je kiffe ce style de dessin, franchement. Et on va montrer un dernier dessin. Un dernier dessin, une dernière page, pardon. Et voilà. Donc du coup, je pense que vous avez quand même pu voir les dessins assez bien. Mais c'est vraiment genre un manga, enfin, que j'ai kiffé. J'espère bientôt pouvoir acheter deux, mais j'ai pas trop de fric en ce moment, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un véritable coup de cœur. Donc du coup, n'hésitez pas à l'acheter. En plus, c'est le prix d'un manga normal, mais si vous l'achetez à la Fnac ou à Leclerc, vous avez moins 5%, il me semble. Du coup ça revient toujours moins cher. Et franchement en plus je vous le conseille, donc n'hésitez pas à l'acheter. Ou au moins lire les scans de ce manga. C'est vraiment trop bien, quoi. Enfin voilà, j'ai pas d'autres mots pour dire que c'est vraiment trop bien. Donc du coup donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir et liker mes dernières vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.